ça ta jambe? C'est combien de temps que t'as ça? C'est quand t'as eu l'accident? Après tu te rappelles avant ton accident quand on joue au basket, ça me manque. Ouais je sais, moi ça me manque, mais tout ça avec ma jambe, il y a plein de choses que je peux plus faire. Désolé. Mais tu sais, dans tous les cas, je ne peux plus faire que toi. Hein. T'es sûr? Vas-y, viens. Vas-y, va jouer, va jouer. En 1984, j'avais 16 ans. Je me rappelle que j'aimais bien jouer sur le terrain dans mon village. J'étais pas si mauvais, j'avais même un très bon niveau. Il y a un jour qui m'a marqué en particulier. Je jouais tranquillement quand j'ai vu arriver Arthur. Ah, c'est mon terrain ici, casse-toi de là. Ah ouais? Bah vas-y, viens, fais-la, viens, mets-toi. Vas-y, viens, fais ça, ramène la balle. Vas-y, j'arrive. C'était un gars de mon âge qui aimait bien prouver devant les autres. Le match était très serré. C'est vrai que c'était un adversaire redoutable. Il marquait pas mal de paniers au début, mais j'ai réussi à prendre l'avantage et bien évidemment, c'est moi qui ai remporté le duel. Alors mec, t'as compris la leçon? Pas le malin, on va se revoir. Je me rappelle qu'il avait un peu de mal à digérer sa défaite, mais tout ce qui comptait, c'est que j'avais gagné. Répa, prends-moi la balle, s'il te plaît. Ça, de nous, c'est un français. Merci. Il est temps de rentrer, ta mère, elle nous attend. J'arrive. Je sais que depuis mon accident, je me suis un peu relâché et il y a plein de choses que je peux plus faire. Mais je veux dire que je suis vraiment fier de toi. Et tu sais à quel point j'adorais le basket et à quel point je suis déçu de pouvoir jouer quelque chose avant. Mais en tout cas, je voulais dire juste avoir joué, ça comble ce manque et vraiment là, je tiens. Ça me touche beaucoup ce que tu dis et je vais continuer le basket pour te rendre heureux et te faire plaisir jusqu'à la fin.